Passeuses et passeurs d'espoir, bonsoir. Je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons chercher des pistes pour trouver le bonheur. Moi j'aimerais bien savoir ce que c'est le bonheur. Pas de précipitation, nous allons d'abord le définir. Alors, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Le bonheur, c'est un état stable avec une certaine durabilité, un équilibre entre la quiétude de l'esprit et du corps. Ah oui, bah là on est bien avancé. Dans un premier temps, nous allons opposer la notion de bonheur à celle de plaisir et de désir. Bah moi j'aime bien prendre du plaisir, ça me rend heureux. Justement, nous allons voir que trop de plaisir empêche l'accès au bonheur. Robert Lustig, dans son ouvrage The Hacking of the American Mind, nous explique la différence entre le bonheur et le plaisir. D'un point de vue, la dopamine pour le plaisir et la sérotonine pour le bonheur. Oula, je sens que je vais encore rien comprendre. Mais si ne t'en fais pas, ça va être très simple. Pour résumer la pensée de Robert Lustig, trop de plaisir excite les neurones. Et le fait que les neurones soient excités trop souvent, en trop grande quantité, les fait tuer. Donc plus on va chercher le plaisir, plus on va être demandeur. Et ça conduit à l'addiction. Et ce qui est dangereux, donc, dans notre quête du bonheur, puisqu'on va devenir addict. Une quête effrénée du plaisir va nous conduire à une addiction et va nous empêcher dans notre quête du bonheur. Deuxièmement, nous avons opposé le désir au bonheur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le désir ne peut pas être satisfait. Quand on obtient quelque chose, on ne le désire plus, donc on est insatisfait. Mais par contre, profiter de cette quête dans l'objet de notre désir peut être intéressant. Souvent, on dit « plus important que la destination », c'est de profiter du voyage. Dans la définition, nous avons vu que le bonheur était un état. Et ce mot « état » est extrêmement important. Sachant que l'être est plus important que l'avoir, nous pouvons voir de suite qu'il y a trois façons d'être heureux. Tout simplement, de donner. On peut donner des cadeaux, on peut donner de son temps, des instants, on peut donner l'espoir. Les amis, soyez des passeurs d'espoir. Enfin, après avoir défini le bonheur, nous allons voir que le bonheur, au final, est un choix personnel, comme le disait Tolstoï. Bien souvent, on parle de bonheur simple. Et d'un point de vue mathématique, scientifique, les choses simples sont des choses qui ne sont pas complexes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombreuses variables à gérer. Ben moi, j'ai déjà vous deux à gérer, c'est beaucoup. Comme vient de le dire prof, il faut profiter de choses simples. Plus on a de choses à contrôler, plus le bonheur va être dur à accéder. Laissez aller les choses qui sont hors de contrôle. Ce sont des variables qu'on ne peut pas contrôler, donc qui nous empêche notre accès au bonheur. Une chose qui est hors de contrôle, que beaucoup de gens essayent de contrôler, c'est la temporalité. Le passé, le futur. La seule chose qu'on possède, c'est le présent. N'essayez pas de vous focaliser sur le passé, sur les choses sur lesquelles vous n'avez plus de contrôle. Ni même vous focaliser sur le futur, des choses sur lesquelles vous n'avez pas encore de contrôle. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous avez maintenant, l'instant présent. Une autre chose sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, ce sont les autres. Surtout, ne faites pas des autres la raison de votre bonheur. Sinon, vous allez être dépendant. Le bonheur ne dépend que de vous. En parlant des autres, il y a deux choses extrêmement dangereuses. Chercher l'approbation des autres et la comparaison. Une dernière chose qui, je pense, qui rend les gens malheureux, c'est tout simplement l'impossibilité des gens de se réjouir du bonheur des autres. Quand vous voyez quelqu'un réussir, réjouissez-vous pour lui. Tandis que si vous jalousez le bonheur des autres, ça va devenir une source de malheur. Pour finir, je vais parler d'une chose qui est importante au niveau des médias. Nous avons vu que le bonheur est composé de choses simples et surtout de l'être et pas de l'avoir, et qu'il est opposé au plaisir. De nombreuses fois dans les médias, vous allez justement voir ces fameux médias mettre la confusion volontairement entre l'avoir et le bonheur, entre le plaisir et le bonheur, pour vous faire croire que pour être heureux, il faut avoir et donc consommer, ou que pour être heureux, il faut chercher du plaisir sans cesse et toujours. Et comme vous ne pourrez jamais être heureux en faisant une quête du plaisir, vous consommerez toujours plus. Et enfin, souvent, les médias tentent de vous donner des hauts standards de bonheur afin qu'ils demeurent inaccessibles. Voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes pour être heureux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Instagram sou.tai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao !